Chapitre 3. Excusez-moi, monsieur. Vous ne sauriez pas où est... Asking the way and understanding directions. Listen to the first conversation. Mark and Eloise have just arrived in Caen and they are wandering around the street looking for a youth hostel. Chapitre 3. Première conversation. Mark et Heloise viennent juste d'arriver à Caen. Ils ne connaissent pas la ville et veulent trouver l'auberge de jeunesse. Merde alors L'office du tourisme vient de fermer. C'est bien notre bol. Comment on va le trouver cette auberge Putain, on a même paumé le plan de la ville. T'inquiète, j'assure un max. Je vais demander au type là-bas, il a l'air d'être du coin. Excusez-moi monsieur, on cherche l'auberge de jeunesse. Vous saurez pas où elle est, s'il vous plaît Désolé, mais c'est juste des passages ici. Alors je peux vraiment pas vous renseigner mais prenez la première, là, à votre gauche. Il y a un petit troquet qui est encore ouvert. J'en sors juste. Ils sont très sympas. Ils vous renseigneront sûrement. Merci quand même. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Bonne chance. S'entre dans le café Bonsoir, Bonsoir messieurs, messieurs dames Et Louise va vers le cafetier Excusez-moi monsieur, je me demande si vous pourriez nous aider Nous cherchons l'auberge de jeunesse, est-ce que vous sauriez où elle se trouve Ah, l'auberge de jeunesse mmh, Voyons, voyons, c'est bête mais ça me revient pas faut dire que c'est plus de mon âge. <laughs> Attendez. Marcel, amène-toi. On a besoin de tes lumières. L'auberge de jeunesse. Comment on y va d'ici? L'auberge de jeunesse? Eh bien, c'est pas la porte à côté. Mais vous avez un bus qui vous y mène presque directement. En sortant, tournez à gauche. Vous verrez un arrêt de l'autobus. Prenez le bus H et descendez à l'arrêt CHU. Là, vous verrez, c'est juste en face du CHU. Ça n'a pas l'air trop balèze. Merci beaucoup, monsieur. Chapitre 3 Prononciation The most common feature of the spoken language is elision. That is to say, running words together and dropping unstressed letters. Here are some of the most common contracted forms. Je ne sais pas becomes je sais pas. Tu as vu becomes t'as vu. Tu n'as qu'à becomes taka. tu n'as qu'à le faire becomes ta qu'à le faire tu as becomes ta tu n'as pas becomes t'as pas je suis becomes suis je ne crois pas becomes je crois pas je n'y crois pas becomes j'y crois pas il y a becomes ya il n'y a pas becomes yapa il y becomes yave Set becomes ste c'était becomes ste il faut que becomes faut and cela is universally shortened to ça Chapitre 4. T'as pas 20 euros à filer? Ça serait chouette. Asking a favor and convincing or persuading someone to do something. Listen to the third conversation as Stéphane, a college student, is at home talking with his younger brother, Oscar. Chapitre 4. Première conversation. Stéphane, 22 ans, étudiant. Et rester chez lui avec son jeune frère Oscar, dix-sept ans. Stéphane, t'as pas vingt euros me Je n'ai plus une thune. Je peux pas aller au ciné avec mes potes ce soir. Je suis à sec. Encore, tu m'as déjà taxé vingt-cinq la semaine dernière. Abuse pas. Cette fois c'est non. Plus rien, mon petit gars. Jusqu'à ce que je revoie mon blé. Charles, lui, son frangin, c'est un vrai pote. Il lui a filé sans râler. Tu parles? Il est plein aux as au frangin. Moi j'ai pas un rond en ce moment. Et puis fous moi la paix. J'ai du boulot, moi. Écoute, c'est juste une avance. C'est demain que je commence à bosser. Mais t'es bouché ou quoi? Je te l'ai dit. J'ai pas un rond. Alors casse toi et arrête de me faire suer. T'as qu'à aller jouer de ta gratte et faire la manche dans le métro. <laughs> c'est malin.